Christophe Lessé, bonjour. Donc, nous allons parler de Nautique et de ses développements en France. Donc, a priori, le réseau s'étend, c'est ça? Oui, tout à fait. Ben, c'est un peu le constat positif qu'on peut faire après la création de l'entreprise en 2012. Donc, on a effectivement réussi notre développement à travers un réseau de partenaires nationaux et de revendeurs qui sont plus régionalisés. Donc, c'est un peu le gros point de satisfaction. On est bien représenté sur le territoire. Pour exemple, nous sommes aujourd'hui sélectionnés pour certaines de nos solutions par l'UGAP dans le cadre de leur appel d'offres pour l'école numérique. La petite mesure qu'on a pu faire, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 50 000 appareils mobiles qui ont été déployés dans nos solutions depuis qu'on existe. Oui, donc c'est quand même, par rapport au gros challenge de départ, c'est quand même des résultats assez satisfaisants, on va dire. Oui, c'est un motif de satisfaction et les retours sont plutôt positifs. Nautique a pris une place qui est la sienne, tout en restant modeste, bien entendu, et on en est plutôt satisfait. Oui. Alors la stratégie de l'entreprise, c'est quoi? C'est de répondre à la demande. On a un plan numérique là, en ce moment qui bouge pas mal de choses. Comment se positionne Nautique dessus? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a eu, notamment à travers notre présence à la FINEF, l'opportunité d'échanger avec les instances du ministère notamment, ce qui nous a permis de détecter un petit peu les besoins par rapport à ce plan numérique qui est plutôt ambitieux. Donc on a engagé, on a joué le jeu, on a engagé des développements plutôt lourds sur une adaptation de notre offre par rapport à cette demande, ce qui se traduit concrètement par effectivement des équipements. Et je pense, in fine, c'est un peu ce qui compte, c'est la satisfaction des utilisateurs derrière. D'accord, donc vous livrez toutes les académies aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir un petit screenshot de tout ce qui se passe en France sur ce que vous faites? Oui, globalement aujourd'hui, nos solutions sont positionnées de manière plutôt uniforme sur le territoire, dans des dossiers qui ont des tailles très différentes, parce que ça peut être une région qui s'équipe globalement, ou un conseil départemental, ou une petite commune qui, à travers un partenaire local, va nous solliciter pour s'équiper sur le terrain de l'école numérique. Donc vous êtes intégrateur, vous avez vos propres solutions, enfin, c'est vos distributeurs qui intègrent, comment ça fonctionne? Si on est une collectivité locale, on va faire appel à Nautique, comment ça se passe? Globalement, nous, ce qu'on va faire, c'est concevoir la solution d'intégration, c'est-à-dire on va la fabriquer. C'est, je pense, notre point fort, puisqu'on fabrique en France, c'est une de nos spécificités. À travers cette écoute, on va restituer ça à travers une offre qui existe, qui est standard, on va dire, mais notre gros point fort, je pense, c'est de pouvoir livrer dans des délais très courts des solutions qui sont mises en conformité avec des besoins spécifiques. Et je pense que ça, c'est un peu ce qui plaît aussi, c'est de pouvoir répondre à des besoins tels que, par exemple, l'intégration de claviers avec des tablettes dans un cover protégeant l'ensemble, ce qu'on appelle le fameux EIM, équipement individuel mobile. Voilà, on a su se plier à ce type de cahier des charges, ce qui fait que globalement, que ce soit une région ou une petite commune, on couvre ces besoins-là aujourd'hui. Alors, maintenant que vous avez de l'expérience et de l'expertise, si on fait un point sur le marché, c'est quoi la problématique d'une collectivité aujourd'hui en matière d'équipement numérique dans ces établissements? Quelles sont les préoccupations premières? Je pense qu'au-delà de répondre aux besoins, sans rentrer dans les détails sur les usages, la formation des enseignants, etc., je pense qu'aujourd'hui, la grosse problématique d'une collectivité, c'est le financement. C'est central. Je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui de réponse claire, on va dire, à ce sujet-là. Ça va être l'enjeu, je pense, des années à venir. Enfin, il y a un dossier aussi qui est tombé sur les départements qui est la maintenance. Est-ce que vous-même, avec le réseau, vous réalisez la maintenance? Comment ça se passe? Alors nous, notre travail va être justement d'éviter la maintenance. C'est-à-dire que ça va être notre partie du job, faire des solutions fiables pour que justement la maintenance soit le plus limitée possible, ou des solutions qui vont la faciliter. Mais effectivement, le reste du travail va être effectué par nos partenaires. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut avoir quelques chiffres. Donc Nautique, c'est combien de personnes? Aujourd'hui, nous sommes 9 personnes. On a démarré à 8, nous sommes aujourd'hui 9. Proportionnellement, c'est une grosse augmentation. On reste modeste, effectivement, parce que la difficulté aujourd'hui pour une entreprise, c'est un peu le manque de visibilité sur un marché très vertical comme l'éducation, puisque nous ne faisons aujourd'hui que ça.
Donc nous sommes obligés de nous conformer, on va dire, à notre environnement et de rester modestes dans notre forme, on va dire. Bonne chance à Nautic pour la suite. Merci à vous.